Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui comment ajouter une bypass entre les deux lignes existantes. On va éditer la première ligne et ajouter un point. Insérer une fitting. Avec le bouton droit, vous pouvez choisir l'orientation de fitting et accepter avec le bouton gauche de votre souris. Les lignes verticales, on va enlever les contraintes vers l'axe et maintenant on peut orienter notre fitting en angle vers l'autre ligne. La ligne est faite en construction pour n'avoir pas une ligne de pipe supplémentaire. On peut dimensionner le positionnement de fitting et on va répéter la même étape avec la correction de l'autre ligne. On va ajouter les points de faction. Et orienter notre fitting en angle. Enlever les contraintes de ligne. Maintenant, nous sommes prêts pour ajouter notre nouvelle ligne de bypass. En commençant une route avec le poids de connexion de fitting, on devrait faire attention juste pour le sens de notre route. Contrainte le poids avec l'autre fitting. Et on peut continuer en ajoutant une valve pour un autre élément. Maintenant, on peut, avec les dimensions, ajoutant une dimension, on peut positionner notre valve à distance exacte. Pour corriger la position de notre poignée de valve, on peut déplacer le valve avec triade. Vous pouvez vérifier l'option de système si vous êtes, votre option est cochée. Et on peut tourner notre valve dans le sens exact. Mais présentement, vous voyez que notre valve n'est pas exactement au centre de valve. Notre poids de connexion n'est pas exactement au centre de valve. On va corriger ça. Comme il y a beaucoup de fonctions, je ne voudrais pas changer les esquisses. Je vais juste déplacer le corps. Je vais faire une contrainte d'origine. Je vais placer l'origine au centre de valve, concentrique.
comme vous voyez, le valve n'est pas exactement concentrique de pipe, c'est à cause que le poids de rotage n'est pas contraint avec l'origine. Je vais modifier encore le valve et je vais modifier notre road point. Road point est dirigé par trait des esquisses. Comment on peut voir, on peut afficher les parents et on voit les flèches vers les parents. Je vais changer le point. Je supprime celui-là de trois des esquisses et je vais choisir l'origine. Notre valve est concentrique.